bien, salutations gamers et gameuses. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo particulière, c'est-à-dire une vidéo où on va analyser le dernier trailer en date de Nuka World. Alors, petites informations sur le DLC avant que vous ne vous emballiez et qu'avant que je commence l'analyse du trailer, parce que j'analyserai le trailer sans rien plus à la fin de la vidéo. Donc, je vous dis déjà, le DLC pèsera environ 1 giga de plus que DC Pharah War, donc ça vous donne une petite première vue et premier aperçu de l'ampleur qu'il va avoir. Ensuite, ce DLC sortira le 30 août 2016. Je n'ai pas plus d'informations pour vous. Et tout de suite, le trailer pour vous en mettre plein la vue. Peggy 18. Welcome to Nuka World, America's favorite vacation destination. I'm Cappy. Oh, and I'm Bottle. And we're here to make sure you have FUN fun during your time at the park. What if there was a place with all the zip of Nuka Cola? Wouldn't that be the cheeriest place in all the world? Where the river's made of quantum and the mountain tops are fizz. With fun and games and rides for all the moms and pops and kids. But it turns out there's a place with all the zip of Nuka Cola. Come on down to Nuka World and see it for yourself. Et me revoilà, donc voici. Donc nous allons commencer directement ce thriller par les 10 premières secondes, c'est-à-dire le moment où on voit le premier Protectron, le nouveau premier Protectron, qui a une arme un peu particulière ici, à la main, et on peut voir, apercevoir peut-être un nouveau châssis pour le DLC Automatron. Donc j'ai pris ce screen parce qu'il y a une nouvelle arme, donc peut-être que pour le DLC, je dis bien peut-être, que le DLC Automatron s'avérera rajouter quelques petits trucs. Attendez 2 minutes, je mets la musique, parce que si une vidéo sans musique, ce n'est pas une bonne vidéo, hein. Parce que c'est chiant une musique sans fond vidéo, voilà. Ensuite, nous passons directement pour la suite. Ici, nous pouvons apercevoir un petit clin d'œil, ou un gros clin d'œil, à Fallout 3 avec la rivière de Khartoum. Et ici, on peut voir, apercevoir un petit fangeux, de type Quantum Forge, je ne sais plus comment ça s'appelait dans Fallout 3, désolé. Donc un nouveau mob. Ensuite ici nous pouvons voir un personnage, donc oui, bon, à 41ème seconde, si pas un peu plus tôt, on aperçoit un nouveau personnage, donc avec on dirait un petit cache-œil métallique qu'on en tant que casque, on va dire ça comme ça. Ou comme les sunglasses qu'on peut se mettre au niveau des yeux. Ici nous avons 2 nouvelles épaulières, un nouveau torse de Raider et ici une nouvelle arme. Donc voilà, c'est tout sur cette petite image. Image suivante, ici nous pouvons voir des premiers nouveaux mini-jeux. Donc peut-être, je dis bien peut-être disponible dans le workshop pour crafter et pour s'amuser un petit peu dans votre ville et apporter un peu plus de gaieté dans votre ville. Ensuite, un deuxième mini-jeu, donc c'est le jeu où vous tapez avec un bâton ou un marteau sur des taupes. Ici, ce sera des bouteilles de Nuka-Cola, pardon. Ensuite, encore troisième mini-jeu, c'est un mini-jeu où on lance des boules, donc je suppose que ce sera aussi intégré dans le workshop. Ici, nous avons, pas besoin de vous expliquer, une nouvelle Power Armor, le DLC Pharah War en ajouté 2. Ici, il en ajoute une pour l'instant. Parce qu'il ne montre pas tout pour l'instant, je ne peux pas vous montrer tout pour l'instant, je découvre entre guillemets en même temps que vous. Next, ici nous pouvons voir que nous pouvons utiliser les attractions, c'est franchement un gros point positif, ça mérite d'être clair et fun à la fois.
Bon, ici on parle pas du petit Mister Andy qui est là, on ne sait pas pourquoi il est là, mais bref, voyez, on peut utiliser les attractions, c'est vraiment super cool. Suivante, ici nous pouvons utiliser un monorail pour nous déplacer dans le parc, c'est aussi super cool. Ici nous pouvons voir un protectron, donc peut-être, je dis bien peut-être encore une fois, qu'on pourra avoir un nouveau châssis de protectron ainsi que de nouvelles mains, nouveaux pieds de protectron. Ensuite, ici nous avons le deuxième mob hostile de ce DLC. Nous avons un genre de crocodile. Je pense même que c'est un crocodile ou bien un lézard en tout cas, qui s'apprête à attaquer. Ensuite, ici nous avons des boucs avec deux têtes comme les brahmines et ainsi de suite. Et bon, il y a l'air qu'il soit agressif aussi. Next, une nouvelle power armor. Donc, ici, une power armor. X0E, donc l'armure assistée la plus puissante du jeu et qui a un look super stylé avec cette peinture. Ensuite nous avons ici peut-être, je dis bien peut-être pour tout ce qui est automatron, je dis peut-être parce que je ne suis pas sûr que ça sortira, mais nous pouvons voir une nouvelle arme pour les Mr. Andy, ici une nouvelle coque aussi pour les Mr. Andy, et peut-être que ça sortira pour automatron et que ce sera dans la crafting table automatron, du moins je l'espère. Alors ici nous revoyons un protectron, avec l'arme que je vous avais montré en début de vidéo, et voilà ce qu'elle fait. Elle fait une explosion bleue, donc explosion de quantum je vais dire, puisque ça s'apparente à du quantum. Et ici nous avons l'arme et donc le protectron qui tire, voilà. Je suppose que c'est ça. Ensuite ici nous avons une tenue du Far West de shérif, avec le petit chapeau. Ensuite, ici nous avons une nouvelle créature et une nouvelle arme. Je vais apparenter cette arme ici au pistolet à venin dans Fallout 3. Vous vous souvenez, le pistolet à venin qu'on devait faire avec une petite voiture et ainsi de suite. Un pistolet de peinture et d'autres choses. Je ne sais plus quoi d'autre. Et ici nous avons une créature qui devrait s'apparenter plutôt à un serpent qui a muté, je suppose, ou bien tout autre chose. Mais pour moi, ce serait un serpent qui est muté. Ensuite, ici on peut voir deux nouvelles tenues slash armure, parce qu'ici on voit la nouvelle tenue avec les balles qui s'apparentent à la tenue du mercenaire dans Fallout 3 et New Vegas. Et ici nous pouvons voir une nouvelle armure faite de métal qui m'a plutôt l'air assez sympathique. Ensuite ici on peut voir ici un petit clin d'œil à Fallout New Vegas, je pense. Je suis plus sûr, avec les colliers explosifs qui pètent quand on dépasse une certaine zone. Ensuite, on peut apercevoir un nouveau type de vêtements ici, ainsi qu'ici et ainsi qu'ici. Ensuite, nous avons aussi un nouveau casque de Raider, ainsi que là, et des nouvelles armures et épaulières de Raider et des genres de gants. Ensuite, ici, nous avons une nouvelle arme, donc c'est un AK-45 sans doute. Équipé d'une lunette et c'est tout. Ici nous pouvons apercevoir que dans le workshop nous pourrons construire de nouvelles choses. Ici voilà la première vidéo, le premier screen du workshop. Donc on pourra ajouter des fusées, on pourra ajouter ici des tableaux, des drapeaux, des petits trucs Nuka-Cola pardon, et ici un petit bonhomme, ainsi de suite, là aussi, enfin tout. Ici nous avons un deuxième screen que j'ai fait, donc ici on a, je n'arrive pas bien à voir si c'est une machine ou quoi, Nuka-Cola. Ici nous avons un drapeau, ici nous avons une statue, ici nous avons encore une statue, ici nous avons des petits Udada avec une petite décoration en plus, ainsi qu'aussi au-dessus. Ici nous pouvons apercevoir qu'on peut utiliser des piliers en forme de glace, c'est fun, donc c'est craftable, ça aussi c'est nouveau, tout est nouveau franchement, là ça aussi ça doit être dans le menu décoration, il y a ça aussi, il y a un peu beaucoup de choses nouvelles dans le DLC. Ici nous pouvons apercevoir une nouvelle arme, une arme qui électrifiait de battle ball, vous voyez la petite raquette de ping-pong avec la petite balle que vous ping, enfin je sais pas comment vous montrer, mais voilà, qui avec attaché avec un élastique et vous amusez comme ça. Et donc là vous en aurez une qui sera rechargeable. Non,
Non, c'est pas possible qu'il te la fasse à Chacham. Mais en tout cas, vous en aurez une. Et sans doute qu'il y aurait moyen de la... Voilà, vous voyez ici Current Mode Electrified Ball. Vous voyez, on pourra peut-être changer les balles. Ici, nous pouvons apercevoir beaucoup de choses. Donc, la nouvelle AK-45 peut modifier. Bon, ça veut nous dire que... Ça peut nous dire qu'ici, on pourra changer la texture de l'arme. Ici, nous pouvons retrouver un nouveau type de casque, une nouvelle armure et une nouvelle tenue. Ainsi qu'ici aussi, une nouvelle tenue. Ici, on voit aussi des nouveaux casques, une nouvelle tenue et des nouveaux vêtements. On peut les distinguer via ces petits bouts de vêtements ainsi que ce casque en forme d'oiseau, avec un bec d'oiseau. Ici, un petit casque avec des cornes et ici... J'hésite à dire que c'est une genre de combinaison comme Deadpool. Ici, nous pouvons apercevoir que les aliens sont dans la partie puisque les aliens reviendront dans ce DLC. En tout cas, je le suppose puisqu'ils nous l'ont montré. Ici, nous pouvons apercevoir encore une nouvelle armure assistée, une armure assistée électrifiée cependant et qui m'a l'air bien pétée et bien énorme. Ici, nous pouvons apercevoir encore des nouveaux mobs de type insecte. On pourrait dire, allez, une sauterelle, on va dire, ou je ne sais pas quoi. Je dirais plus une sauterelle vu la gueule du spécimen. Et ici, on peut apercevoir une nouvelle arme. Attention, ces Pokémon, j'allais dire. Non, mais ces insectes sont hostiles, il y a l'air. Ici, nous pouvons voir un personnage qui, peut-être, sans doute, est un personnage d'une quête ou de la quête principale même. Ce personnage-là, après ça, dans cette vidéo, c'était à la seconde près parce qu'ensuite avec sa main il va projeter un nuage de fumée et va disparaître. Donc pour moi c'est le personnage de l'actrice principale. Ici nous pouvons apercevoir des mouches. Des mouches ou bien non pas des mouches. Des fourmis. On va appeler ça des fourmis parce que ça ressemble à des fourmis. Et vous voyez ici leur petit nid. C'est excellent. Ensuite ici nous pouvons voir un petit strike d'une voiture. Donc vu que le parc d'attractions est abandonné et à cause de la catastrophe nucléaire, et eh bien les attractions fonctionnent toujours bizarrement. Et ben, il faut penser à sa sécurité, sinon on se fait percuter. Et je pense bien que ça peut nous faire voler et nous tuer sur le coup. Et voilà, c'est ce qui conclut la fin de la vidéo. Mais donc vous voyez bien qu'il y aura beaucoup de gens, beaucoup beaucoup de gens. Franchement, c'est excellent pour ce DLC et franchement c'est le dernier DLC de Fallout 4 et franchement j'en suis bien déçu. C'est Nuka World et franchement je sais que le fait de tout ce qu'il donne encore en gros encore là c'est qu'une analyse trailer, donc il faut s'imaginer qu'il y aura beaucoup plus de choses dans le DLC final. Donc là on a une mise en bouche, c'est comme d'habitude, on aura beaucoup plus de choses dans le trailer. N'oubliez pas, il fait 1 giga de plus, la sortie le 30 août. Si vous avez le Season Pass sur Steam, ça va se télécharger automatiquement. Si vous ne l'avez pas, le DLC devrait coûter aux alentours de 25-30 euros. Tout comme le DLC Farabor. Et hélas pour nous fans de Fallout, et plutôt de Fallout 4, ce sera sans doute le dernier DLC de Bethesda. Et si la communauté en réclame, peut-être que Bethesda voudra retravailler et refaire un DLC. Mais soit, ça rajoute encore des longues heures de jeu, de la customisation, en plus dans le workshop, de nouvelles armes, de nouvelles tenues, de nouvelles armures et peut-être de nouveaux accessoires pour Automatron. C'était Docklandorf, je vous laisse tout de suite avec le DLC de Nuka World, enfin le DLC, moi, le trailer de Nuka World, et puis je vous laisse. Peace! PEGI 18. Welcome to Nuka World, America's favorite vacation destination. I'm Cappy. Oh, and I'm Bottle. And we're here to make sure you have FUN fun during your time at the park. What if there was a place with all the zip of Nuka Cola? Wouldn't that be the cheeriest place in all the world? Where the river's made of quantum and the mountain tops are fizz. With fun and games and rides for all the moms and pops and kids. But it turns out there's a place with all the zip of Nuka Cola. Come on down to Nuka World and see it for yourself. Hey, Kingdom, lots of fun for Tuck and me. Mario.
adventurous.